En ce moment-là, il est 19h passé, je dis, monsieur le huissier, nous allons passer cette information qui est extrêmement urgente et je ne veux pas me réjouir d'avoir dit la vérité ou bien d'avoir donné une information, mais bon, les gens sont très contents. Si vous êtes content, je suis content. Si vous êtes satisfait, je suis satisfait. Si vous appréciez mes informations, Dieu merci, alhamdoulilah. Comme je l'ai dit tantôt dans mon direct de tout à l'heure, que nous avons mis les gens sur pied pour enquêter effectivement s'il y avait une équipe qui a effectué le déplacement de l'abbé pour Zérékoré et des cancans pour Zérékoré et autres. Mais Dieu merci, Alex m'a dit, Kamara, salam alaikum, haïdoum, big brother, salam alaikum. Sanke Diallo, comment vas-tu? Bonsoir. Ça, c'est mon Touré Amara à moi seul. Il est à moi seul. Voilà, c'est mon frère de sang. Ma cousine chérie à moi, non, c'est ma femme mariée même. Voilà, Mariamba, même si ce n'est pas la joie aujourd'hui, mais je te dis bonsoir. Et je salue mon frère de sang, Amadou Dantila. Voilà, comment vas-tu? Et bonsoir à Alak Dissalou Baylo Diallo aussi. Et Aldisson Marali. Aldisson, comment vas-tu? Esatso Albefoni. Donc, Massanta Benito, tu avais raison. Donc, j'avais raison. On dit que j'avais raison. Voilà. J'avais raison. J'ai raison. Mohamed Keïta, merci pour les cœurs. Voilà ce qui me plaît. Les cœurs. Sont en train de mettre la tête de moi. Vous avez vu, non, je ne sais pas ce qui. Mettez les cœurs. Mais mon frère Keïta est là, m'en demande ça. Voilà. Keïta est là, pour les cœurs. Brete Omar, Bouri, comment vas-tu? Partagez, mettez les cœurs. Massa. Almen tête de mort, blala, cafou comme ça, et les images catastrophiques, là, ne vous en faites pas. Avant que je ne parle de ça, là, votre Dieu sur terre, je suis content que votre Dieu sur terre est allé à la Mecque, il a fait son Umrah, vous avez pris toutes les factures en charge. C'est-à-dire, vous ne croyez pas en Dieu. Dieu, là, il est inéquitable. On l'associe pas. On n'associe pas Dieu. Votre Dieu sur terre, alhamdoulilah, c'est pas moi qui ai dit, hein. Qu'il est parti travailler. Qu'il est parti faire le Umrah, il est parti sur les lieux saints pour prendre des terres, pour prendre je sais pas quoi et venir compléter son travail afin que toute la Guinée soit ici, là, les essais de Madjoubia. Votre Dieu sur terre, qui est votre Karamo Solo, il est rentré, non? Mais dans tout ça, là, je ne me. C'est-à-dire, je ne tape pas ma poitrine. C'est quand il est rentré, après avoir fait tout pour vous, il est rentré maintenant pour concrétiser, c'est-à-dire, pour matérialiser, pour faire tout. C'est dans ça, là, Yahi, ce qui est arrivé à Zérékoré. Inch'Allah, il paraît qu'il a dit, oh, Fousteke, mais vous n'êtes pas serein. Vous n'êtes pas serein, quoi, parce que l'homme qui est serein, là, il ne ment pas. L'homme qui est sur la vérité, là, il ne ment pas. Voilà. Et puis, il n'a pas peur. Ce qui m'a beaucoup intrigué, c'est que vous avez peur. Vous avez peur de tout ce qu'on avait dit. Vous avez peur de tout ce qu'on avait prévu. Vous avez peur de tout ce qu'on avait dit. Votre Dieu sur terre est rentré. Maintenant, là, je pense que vous ne voulez plus travailler avec lui. Ma chérie Kadir Diallo, depuis Paris, comment vas-tu? Non, oui. Ma chérie Coco. Donc, votre Dieu sur terre, vous avez vu? Votre Dieu. Parce que c'est lui qui dit, quoi, élection Brabant? L'élection est finie. Élection Brabant, c'est fini. Et puis il fait Allahu Akbar. Il est le Dieu sur terre. Élection Brabant! Élection Brabant! Élection Brabant. Et puis dans la mosquée, les gens prient. Ah là. Hey. Diarouf, comment vas-tu? Votre Dieu sur terre. Permettez-moi
de magnifier cela, de remercier le Tout-Puissant Allah. Parce que Dieu est puissant, il est en train de nous débarrasser de toute cette pourriture. Mais Dieu ne s'est pas limité dans cette action de débarras. Dieu nous a montré les visages de tout un chacun. Dieu nous a montré ce qui doit être trié parmi les vrais Guinéens. Parce que je vous ai dit, nous ne sommes pas, comment on appelle ça, nous ne sommes pas politiques, hein. Nous ne sommes pas en politique. Nous sommes loin de la politique. Actuellement là, on s'est fixé un programme. D'abord, récupérer notre pays et imposer au peuple de Guinée, encore une fois, pour de bon, pour le restant de la vie. Si tu veux être président dans ce pays-là, tu appelles les Guinéens à voter. C'est-à-dire, tu montres un programme aux Guinéens et puis tu dis, Guinéens, voilà mon programme, voilà ce que je peux faire pour vous. C'est ce qui va se passer. Al-Tabrapan, Anala, Dieu sous terre. Oui, tu as fallu, l'argent ne ment pas. Je voudrais m'adresser aux autorités de l'abbaye. Chers parents, chers oncles, chers parents de l'abbé, chers oncles, donc Andy, et nous Anda, quoi donc on qu'est là? Vous n'avez pas voulu recevoir Baouri. Donc Andy, comme il dit, comme il tendra au monde. Mais son bon inhal, je vous regarde dans les yeux, je vous dis oui, Ndomo, il y a quel nom. Je ne suis pas en train de m'adresser aux notables de l'abbé. Mais donc Andy, l'Andy, mais Andy et nous Anda, que l'abbé n'était pas à Zérékoré. L'abbé, vous n'avez envoyé aucune délégation à Zérékoré. Mais qu'on a le Gonga. Vous savez, l'affaire de Dieu, là, Dieu le Tout-Puissant, là, combien de langues il nous faut, c'est qu'on dit, chacun sera devant Dieu avec ses propres péchés. Et Dieu, ça, là, on dit, chacun, c'est un à un devant Dieu. Mais moi, Benito, voilà si mon âge, est proche de là-bas, là, comme moi, il tout nous attend. Pour que Dieu me pardonne. Koko moi qui est au Kelly, c'est ce que je dois faire. Vous avez reçu Baouri en provenance de Zérékoré. C'est pour dire quoi? Selon lui, que ceux qui sont morts à Zérékoré sont morts pour l'abbé. C'est ce qu'il a dit. Namindo, c'est pas moi. Kokanko Baouri Makidou. Baouri, vous regardez, donc Andy, personne n'a été consulté. Personne ne s'est déplacé. Même le préfet. Même le préfet de l'abbé ne s'est pas déplacé. Mais Baouri ignore que parce que la délégation de l'abbé, l'équipe de l'abbé, s'est déplacée pour aller à Zérékoré. Lui, il passe pour dire, présenter les condoléances. Donc, Andy Tigui, hey, Kori, hey, Houl, hey, Konungo, moi, je me suis donné un objectif. Si Kikalare, Maudo Kikalare, si Douani Kelan la Guinée, si mi Benta qui m'a la Unami, ça y est, nous m'irons la Guinée, moi, la Guinée, ben, ça Douani Kelan, si mi Benti qui m'a. As défaut de soleil, high water nous peut prendre tout. Ça l'a déjà mis. Sinon, comment comprendre? Comment comprendre? Vous allez mourir. Vous avez perdu. C'est-à-dire, vous avez souillé toutes les règles islamiques de l'abbé. Le respect. C'est-à-dire, tout ce que l'abbé avait comme honneur. C'est-à-dire, l'abbé. C'est-à-dire, la ville des. Je ne sais pas comment le dire. Vous avez tout souillé. Tout. Des gens qui ne devaient pas mettre les pieds là où ils ont mis les pieds. Vous savez,
Là où ils sont allés vous rendre. Ils ont fait exprès. Ils ont fait exprès. Pourquoi on vous a réunis là-bas, le bâtiment là? Donc, pourquoi on vous a réunis là-bas? Dis donc, disons-nous la vérité. Regardons-nous, hein, regardons-nous, disons la vérité. Hakoune mon Allah. Vous avez déplacé quelqu'un pour la pour se récorer. Oh, on dit Allah. C'est pour dire la vérité. Info est mal. Vous avez déplacé quelqu'un. Maintenant, pourquoi? Parce que actuellement là, donc Andy, Andy, ils sont en train de chercher à monter tous les dossiers pour montrer à la communauté internationale que c'était un simple match entre l'abbé et Zérekoré. Mais je vais vous dire quelque chose. Il y a beaucoup de ressortants de l'abbé qui vont se fâcher dans deux jours contre moi. Parce que mes Fala et on validou vont donc communiquer. C'est ce que nous on aurait entendu. C'est-à-dire, l'abbé fait un communiqué que les enfants se sont déplacés pour aller jouer à Zérekoré. Il y a eu cet incident parce que Andy Tedo, ce sont des mères de famille, des papas qui sont en train de pleurer. Les mamans, 9 mois de grossesse avec toutes les difficultés du monde. Aller au champ, parce que la forêt c'est le champ, le commerce. Faire les enfants là, des bébés comme Ali Baladi. Parce que, on n'a pas de stade homologue. Hay God aussi fait-il, même si tu es piqué par la tête, un pays qui n'a pas un stade homologue. Se permettre d'organiser un tournoi où plus de 10, parce que le stade de Zérekoré peut recevoir 10 000 personnes. Un stade de l'enceinte là peut recevoir 10 000 personnes. C'est un stade qui est inscrit sur la liste de la CAF pour recevoir la Coupe d'Afrique dans 2025. C'est que nous avons perdu. Je dis devant tous vos enfants, hein, devant tous vos enfants, nous sommes vos petits-enfants, nous sommes vos neveux, nous sommes même vos propres enfants. Son arido mi wondri, Allahu ta'ala. On valide document gouvernement, il nous gollo que c'est vos enfants se sont déplacés pour aller à Zérekoré. Vous allez le regretter. Vous allez le regretter parce que, donc, Andy, que personne n'a pris un taxi ou bien un minibus pour aller à Zérekoré. Vous avez vu que vous avez, aujourd'hui, que vous avez été surpris du passage de Baouri. Est-ce que quelqu'un savait que Baouri allait passer par l'abbé? Dans une nouvelle tour, je suis passé plein de mes condoléances à la population de l'abbé, parce que quand me déplace, je joue. Et puis, écoutez, j'ai lancé la vérification, j'ai toutes les preuves. Hay nyaloum déplace à Diago Zérekoré. C'est les ressortissants de la région, la moindre dit de Koben. Là, donc, équipe. Mais ma équipe, go, parce que les gens aiment le football. Donc, chaque communauté a un club. Ça, c'est en Guinée, c'est partout. Voilà, même à Kanka, il y en a, à la Bricterie, il y en a. Donc, Mihakti, donc, je me limite là-bas, hein. C'est là-bas. What if he, Allah, venez dire que oui, nous avons des places. Vous allez regretter. Mais donc, Andy, info d'un Andy, que personne ne se déplace. Mihakti, donc, vos enfants nous écoutaient. Les ressortissants de l'abbé, vous avez vos papas aujourd'hui, qui sont rentrés dans la politique. Vamos à niquer, Moussama. Je ne sais pas ce qui les pousse aujourd'hui à fermer les yeux, à oublier Dieu, à suivre les gens-là. C'est-à-dire, je ne sais pas. Et vous avez entendu ce Karamoko-là. Karamoko Sidibé dit qu'il connaît le Coran, il peut renverser le ciel. C'est lui qui l'a dit, hein, qu'il peut, il attend qu'il voit un autre Karamoko qui ose le défier, qui va le renverser. Il a dit à Malinké, son écoutume, déjà d'abord, a mis la vidéo sur la toile. Allez, Diane Kamoko et Malinka, il y a beaucoup de vos enfants aujourd'hui qui comprennent très bien. Hein? Il y a beaucoup d'enfants, peu, qui comprennent Malinké. C'est connu. Quoi faire politique ou kindrimbeng? Quoi faire politique mélangée? Mais sinon, aujourd'hui, là, tout est là. Donc, Andy, allez-y, écoutez, le monsieur dit,
Le monsieur dit que gare à quelqu'un. Quand au Gaini Gassi, c'est fini. Au élection Brabant, au Gaini Golugo, tout est fini. Moi, finir le mot, au transformaïmon. Au Waini Taïmon, finir le mot. J'ai commencé par lui, le Dieu sur terre, du Seigneur de tout son staff. Nous l'avons écouté. Maintenant, je vous demande à écouter ça. C'est-à-dire, comme lui, Karamo Solo, il ne comprend pas français, il n'est pas allé à l'école, c'est un mouton. Donc, mais comme nous aimons les reportages-là, écoutons ce reportage-là pour être au même niveau d'information. Donc, d'abord, je vais lire la confirmation où on m'a donné raison. Les gens, il y a des jeunes qui sont à Zurich qui m'ont écrit, qui ont vu ma vidéo, qui sont très contents. On dit, il n'y a pas Internet à Zurich, mais ils me demandent comment ils ont fait pour m'écrire. En tout cas, ils disent que, effectivement, oui, que ce n'est pas, ils m'ont d'abord dit, Benito, ne dis pas que tu as été bête. Voilà, ça peut arriver à tout le monde. Voilà, vous avez été aveuglé par l'émotion. Ce qui est arrivé, c'est pitoyable. Mais l'équipe de l'abbé vient de Zérékoré. C'est-à-dire, c'est à Zérékoré ici, nous avons constitué l'équipe de l'abbé. C'est à Zérékoré ici, nous avons constitué l'équipe de Cancan. Il n'y a eu aucun déplacement. Mais, moi, j'ai dit, comme ça m'a échappé là, ça m'a fait. Parce que ça a échappé à tout le monde. Hein. Voilà, à tout le monde. Donc, nous allons lire ça. Je vais vous montrer un document. Vous allez lire, vous allez comprendre. Voilà. Vous m'avez dit là, vous qui pensez, Alme, espoir ni me alpha diro, kono koko men kenne koko m'a dit, non. Kou m'a dit, doit même porter plainte là. N'êtes pas important, ou. N'êtes pas important. Vous fatiguez, m'a dit, lui, il connaît son sort. Même pas les événements de Zérékoré. Nous savons tous qui va aller en prison. Ça, c'est connu. Voilà. Aïe, Sabari. Je vais lire d'abord le document qui confirme effectivement. Attendez. Vous n'avez rien compris. Voilà. Voilà comme ça. Il m'a appelé. Il dit, grand frère, bonsoir. C'est depuis Zérékoré. J'ai appelé un ami de Zérékoré qui faisait partie de l'organisation qui confirme tes propos que toutes ces personnes sont venues de Zérékoré. À partir de là, je te confirme encore une fois que toutes les équipes de Farana, de Cancan, de l'abbé ont été constituées à Zérékoré-Ville. Il dit qu'il fera tout se procurer du fait de marche de Cancan, de Zérékoré, et la fait de marche de l'abbé Zérékoré. Voilà. C'est-à-dire, il va tout faire, voilà. Il va tout faire pour se procurer, de la feuille de marche. Il passe, en tout cas, il va tout faire. C'est-à-dire, je vais vous montrer la feuille de marche. Vous allez voir, l'équipe de l'abbé là, vous allez voir les noms de famille. Hey, laissez tomber ça. Donc, que ça soit très clair. Après ça, suivons ça aussi, s'il vous plaît. En terminant, il fait nuit. Attendez. Vous avez mis ça même. Voilà, je pense que c'est ça. Oui. Voilà. Bonsoir, mon cher Benito. C'est Tafsat. Bon, je suis. Voilà, il est nigérien, quoi. Il vient du Niger. Cher ami, je suis tombé sur des vidéos. Tu fais du bon boulot, mais je t'envoie un lien, s'il te plaît. Il faut l'exploiter dans tes directs. Je vais vous montrer le lien. Nous allons partager ensemble le lien. Bonsoir, grand Escanté, Bindiane Manta Rafaï. Nous allons partager le lien. Attendez d'abord, je vais baisser le. Là. Si tout le monde est mouton, nous ne sommes pas moutons, hein. Voilà, attendez. Septembre 2021, quand les jeunes manifestent contre vous, ils sont tués lorsqu'ils manifestent. Pour vous, ils meurent. In fine, c'est du sceau de la mort que sont revêtues les actions qui découlent de votre pouvoir, accuse Waketsera, en s'adressant, on l'entend directement ici, au chef de la transition, entre guillemets, une transition élastique à souhait, selon le site burkinabé qui rappelle les opposants contraints à l'exil, les manifestations réprimées dans le sang, la chape de plomb et la peur imposée aux Guinéens qui avaient pourtant applaudi au coup d'État du 5 septembre 2021, croyant à l'époque à l'avènement du Messie. Ici, la presse burkinabé qui ironise aussi Damien ce matin sur quand les jeunes manifestent contre vous, ils sont
tués lorsqu'ils manifestent. Pour vous, ils meurent. In fine, c'est du sceau de la mort que sont revêtues les actions qui découlent de votre pouvoir, accuse Waketsera, en s'adressant, on l'entend directement ici, au chef de la transition, entre guillemets, une transition élastique à souhait, selon le site burkinabé qui rappelle les opposants contraints à l'exil, les manifestations réprimées dans le sang, la chape de plomb et la peur imposée aux Guinéens qui avaient pourtant applaudi au coup d'État du 5 septembre 2021, croyante à époque, à l'avènement du Messie. La presse burkinabé qui ironise aussi, Damien, ce matin, sur quand les jeunes manifestent contre vous, ils sont tués lorsqu'ils manifestent. Pour vous, ils meurent. In fine, c'est du sceau de la mort que sont revêtus. Voilà. Quand les jeunes manifestent pour vous et contre vous, ils sont tués. Mais quand les jeunes manifestent pour vous, ils meurent. C'est-à-dire... C'est pas si vous comprenez. Quand les jeunes manifestent contre vous, ils sont tués. Quand les jeunes manifestent pour vous, ils meurent. Ça dit, c'est comme si c'est... C'est une malédiction, quoi. Ça dit, même dans la joie, les gens meurent. Ils me demandent d'aller... Je suis allé sur le site, mais c'est long, quoi. Demain, je vais prendre mon temps à lire. Ça dit, ils ont traduit en écrit... Mais c'est déplorable. C'est comme si quelqu'un qui a touché deux ou trois génies, c'est-à-dire trois ou quatre génies l'ont promis, voilà les démarches à suivre pour rester au pouvoir, et il est passé à côté. Je ne sais pas si c'est ce qu'il arrive ou pas. Mais les gens, ils ont détaillé. Ils ont détaillé. C'est-à-dire c'est quelqu'un, on dirait il a fait tout ce qu'on l'a demandé de faire. Ces génies l'ont demandé de faire. Il est... Comme il est orgueilleux, il ne sait pas comment. Il est arrivé à des moments qu'il fait le contraire. Il faut enlever les sacrifices, il faut faire cela, il n'a rien fait. Et aujourd'hui, tout ce qui touche, il y a entre guillemets quelque part là, que par hasard, tout ce qui touche se gâte. Tout ce qui touche se brûle. Des jeunes qui manifestent contre toi, ils sont tués. Ceux qui manifestent pour toi meurent. Alors, on ne comprend plus rien. Donc, je vais terminer par ce document-là encore, avec Ouyasanda. Hein? Ouyasanda, ces petits ont posté une photo avec l'émir. Comme que le contrat, tout ça là, vous avez vu les photos, hein, Maurice Sanda. Sauf qu'un travailleur, des affaires étrangères, dit que c'est pas vrai. Même moi, quand j'ai vu le poste, je me suis dit, ah, attention, quand est-ce que l'émir est arrivé en Guinée? Quand est-ce que l'émir a... Bon, je me suis posé des multitudes de questions. On dit non, attention. Le frère m'a envoyé, donc il dit, voilà, je t'envoie ça. Il dit, on te suit, nous sommes au département ici, on te suit, et voilà, je t'envoie ça. Je t'envoie cette information, il faut bien voir. Ce que vous avez vu là, tout est faux. Voilà, c'est pour vous tromper, tout est faux. Aujourd'hui, je vous informe encore une information capitale. Il y aura un couvre-feu. Voilà. Un couvre-feu. C'est ça, voilà. Voilà, exactement, c'est le mot. Effectivement, frère Drama, c'est le mot même. La pacte avec le diable. C'est ça que le journal a. C'est le Nigérien. Au Niger, quoi. C'est un édito. D'abord, il a vu le journal. Quand ils ont vu le journal, maintenant, il a expliqué. Il a pris ça comme ce que le frère qui t'a fait. Il a mis ça en édito. C'est comme si quelqu'un, avec des diables, on dit, bon, voilà les démarches. Si tu veux rester au pouvoir, voilà les quatre chemins à suivre. Sans fortune, tu respectes ça, tu restes au pouvoir toute ta vie. Mais si tu failles, c'est comme ça. On dirait quelqu'un qui s'est trompé et il est embrouillé. Il est allé prendre les yeux à garde Doumbouya. Des fois, quand il est assis comme ça, il regarde dans le vide. Ils ont pris toutes ces images-là, ils ont mis dans leur édito. Allez-y voir. Ce n'est pas les petites personnes qui ont 10 personnes qui les suivent comme ça sur TikTok. Ils passent toute la journée, 3 et 4 heures, à parler sur TikTok. Oh, ça, c'est le panel du CNRG. Allez-y voir, il n'y a que 10, 15 personnes. Moi-même, je ne vous comprends pas. Il y a le gars du Sénégal, il y a les grands artistes, mais dès qu'ils se connectent là. Mais pourquoi vous... Soyez solidaires, regardez nos pages.
Sur YouTube, là, j'ai plus de 100 personnes qui me suivent. Facebook, malgré qu'il fait nuit, il y a 300 personnes. Mais pourquoi vous ne faites pas cette solidarité de vous? C'est parce que vous mentez. C'est ça, frère. Merci là. Donc, on va, je vais lire ça rapidement. Attends, excusez-moi. Qui découle de votre pouvoir, accuse Waqed Serra, en s'adressant, on l'entend directement ici, au chef de la transition, entre guillemets, une transition élastique à souhait, selon le site burkinabé, qui rappelle les opposants contraints à l'exil, les manifestations réprimées dans le sang, la chape de plomb et la peur imposée aux Guinéens, qui avaient pourtant applaudi au coup d'État du 5 septembre 2021, croyante à l'époque à l'avènement du Messie. La presse burkinabé. Ouais, Messie, quoi. Donc, on va laisser ça. C'est le Messie. C'est le Messie. Donc, regardez ça. Regardez ça, ce qu'il m'envoie. Je vais vous montrer ça. Permettez-moi. Hein. Et voilà. Où j'ai mis ça? Excusez-moi. Attention. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Je vais lire ça pour vous. Hein. Voilà. On dit... Bon, bon, je lis pas les commentaires en haut là. Benito, mon champion, tête. Bon, laissons tout ça là. Bon, on dit, salut mon frère Benito, vu que tu as une grande audience, je travaille aux affaires étrangères. Voilà ma photo et mon numéro. Je voulais juste te signaler un mensonge sciemment orchestré par les affaires étrangères guinéennes pour berner la population. En effet, depuis hier, la RTG, la présidence, Morisanda, etc., publie que le ministre des Affaires étrangères des Émirats, c'est-à-dire les Émirats Arabes Unis, Cheikh Abdallah bin Zayed Al Nahim, a été reçu à Conakry dans le cadre du projet Simandou 2040. Cependant, en aucun cas, le Cheikh Abdallah s'est déplacé à Conakry. Écoutez très bien. Oh, mon ami Moussa Neema Diarra. Ok. Tu dis de ne pas afficher de votre président. Bon, monsieur Diarra, est-ce que vous pouvez aller sur les pages de votre président, ceux qui supportent votre président? S'il vous plaît, c'est une prière, quoi. Allez-y sur les pages là-bas. Les différentes pages là-bas. Donc, je continue. Vous avez entendu, hein? Maurice, quand nous avons dit que Morissa était un gros porc, un gros menteur, ses enfants ont dit arrêtez d'insulter, vous avez des papas et autres là. Moi, mon papa là, je ne dis pas qu'il n'a pas menti, hein, mais mon papa n'allait pas se comporter comme ça devant moi. Je le compte, bien sûr, paix à son âme. Voilà, tu reposes en paix. Voilà. Donc, écoutez, voilà, il travaille au ministère des Affaires étrangères. Il dit, je voulais juste te signaler un mensonge sciemment orchestré par les autorités guinéennes pour berner la population. En effet, depuis hier, vous savez que les Émirats là peuvent poursuivre les autorités guinéennes pour diffusion de messages de fausses informations. Parce qu'ils disent que l'émir est venu en Guinée. Et ce qui est faux, c'est archi faux. C'est archi faux, hein? Voilà. On dit, bon, en effet, depuis hier, la RTG, la présidence, Morisanda, etc., publie que le ministre des Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis, Cheikh Abdallah bin Zayed Al Nahim, a été reçu à Conakry dans le cadre du projet Simandou 2040. Cependant, en aucun cas, M. Abdallah s'est déplacé à Conakry. Connaissant bien ce prince émirati, écoutez très bien, connaissant bien ce prince émirati, ce n'est pas lui qui a dirigé cette délégation, mais Conakry continue de mentir, malgré tout. Regarde le profil Facebook de la présence ou le journal RTG sur YouTube. Vous vous rendrez compte du mensonge. C'est juste un constat, un amateurisme qui doit être dénoncé. Merci à toi, merci au champion. Vous avez vu, non? Est-ce que vous avez vu? Bien sûr! Ce n'est pas lui qui est venu. On dit que c'est les affaires. Ce n'est pas lui. Hé, Morisanda. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez vendre. C'est quelle image vous voulez vendre au Guinée. Qu'est-ce que vous voulez vendre? Organiser les élections, partir, vous dites non. Je vais terminer par ça encore, s'il vous plaît. C'est comme ça, hein.
Voilà, terminons par ça encore. Je termine par ça, excusez-moi. C'est la déclaration, voilà, déclaration des forces, voilà, des forces sociales de Guinée. Je vais aller rapidement, parce que eux là, mes amis, moi je n'ai pas de lunettes. Mais regardez comment vous écrivez. C'est trop petit. Ah, quand vous partez en PDF là, essayez au moins d'agrandir un peu. Moi je n'ai pas de lunettes. Je ne peux pas me... Oh, attendez, si j'arrive, oh, le cas contraire, ce n'est pas grave. C'est quoi ça? Voilà, Forum des Forces Sociales de Guinée. M'en vais rapidement. Voilà les déclarations. Le 1er décembre 2024, à Zérékoré, capitale de la région forestière, le peuple de Guinée a été endeuillé et terrorisé au stade de 3 avril par une tragédie humaine, dont le bilan réel en termes de pertes en vie humaine et autres violations des droits reste encore à déterminer. En cette douloureuse circonstance, les forces sociales de Guinée adressent leurs condoléances. Les plus émus aux familles des morts expriment leur compassion, celle des disparus, parce qu'il y a des disparus. Personne ne parle de disparus, hein. Il y a des disparus. Voilà. Moussa Barawa dit qu'il est venu à l'air. Oui, c'est vrai. Vamos à une étude, c'est vrai, vraiment. Tu as parfaitement raison. Eh Dieu. Et voilà, hein. Voilà, compassion, celle des disparus, parce qu'il y a des disparus. Voilà. Je réveille, comment vas-tu, mon champion? Ça, c'est mon champion. C'est mon, voilà, c'est mon champion. Voilà. Comment vas-tu, Genève 224? Respect à toi, mon frère de sang. Donc, voilà, on dit, en cette douloureuse circonstance, les forces sociales de Guinée adressent leurs condoléances les plus émues aux familles des morts, exprimant leur compassion. Voilà, leur compassion à celles des disparus et souhaitent prendre l'établissement aux personnes blessées ou traumatisées. Malheureusement, voilà. Ça doit m'intéresser. On dit, bon, malheureusement, la banalisation de la vie humaine, le mépris pour les engagements publics, notamment ceux pris par le président de la transition, et le non-respect des lois, conventions, l'instrumentalisation et l'exploitation de la vulnérabilité de jeunes et adolescents à des fins partisans par les pouvoirs publics ont été déterminants dans cette tragédie. Oui. Ce drame qui replonge le peuple guinéen tout entier dans le triste souvenir des événements du 28 septembre 2009 mérite la solidarité inconditionnelle de tous et la détermination sans faille pour une justice équitable à la hauteur de la tragédie. À date, partant des informations qui sont parvenues aux forces sociales de Guinée, à travers leurs représentants à la région, croisés avec les données, 135 morts et 50 cas de disparition non exhaustives contenus dans le premier rapport des organisations de défense des droits de l'homme de la Guinée forestière et de 300 cas de morts évoqués par le Conseil supérieur de la diaspora forestière. Ça, c'est nous. Le Conseil supérieur de la diaspora forestière. Le bilan humain demande des efforts conjugués et une véritable volonté politique. Cependant, même si les forces sociales de Guinée saluent le deuil de 3 jours décrétés, elles notent avec regret que les 56 cas de décès évoqués à la hâte comme bilan par le gouvernement témoignent d'une volonté suspecte de dissimulation de la vérité par les autorités de la transition. Il faut rappeler que presque un an, jour pour jour, à la suite d'une autre catastrophe humanitaire, suite à l'incendie du dépôt des hydrocarbures de Kaloum, que le peuple guinéen reste sans aucune information sur les résultats des enquêtes, ouais, qui avaient été annoncées par les autorités de la transition. Face à cette triste réalité d'enquête ouverte sans suite sous le CNRD, sur les drames et crimes enregistrés à son temps, avec la volonté visible de dissimuler de la vérité dénoncée si haut, aucune enquête sérieuse pour déterminer le bilan réel, les causes et les responsabilités de cet autre drame n'est envisageable sous l'égide des autorités actuelles de la transition. En conséquence, les forces sociales de Guinée saluent les efforts conjugués de solidarité aux victimes et d'appel à la justice depuis le premier moment de la tragédie. Appellent les ONG en général et les organisations de défense des droits de l'homme
Attendez, la page. Voilà. Appelle les ONG en général et les organisations de défense des droits de l'homme en particulier à se constituer partie civile, comme le cas douloureux événement du 28 septembre 2009 survenu dans le stade éponyme pour rendre justice aux victimes par petit 1, la mise en place d'une commission d'enquête indépendante avec l'appui. Avec l'appui de la communauté internationale. 2. L'assistance psychosociale, sanitaire et financière aux victimes, dont la majorité semble être des couches vulnérables, enfants, adolescents, jeunes filles et garçons, familles très démunies. 3. La détermination du niveau de responsabilité. Voilà. Excusez-moi. Allô? Bien sûr, en direct, monsieur. Je vous ai coupé parce que je suis en direct. Excusez-moi, il a gâté mon truc là. Trois, la détermination du niveau de responsabilité partagée entre les organisateurs de cet événement, les autorités locales et centrales, dont le gouvernement et le CNRD. Les services de sécurité qui ont fait usage de gaz lacrymogène dans un stade fermé au mépris des règles. Les forces sociales de Guinée appellent les partenaires à apporter leur appui à la constitution des parties civiles par les ONG. Elle invite les vaillants peuples guinéens à observer le vendredi 6 décembre 2024 une journée nationale de prière et de recueillement à la mémoire des âmes innocentes perdues et implore la justice. Enfin, elle invite les organes de la transition sans exception à voir la République en face et admettre pendant qu'il est temps, l'heure limite de gérer le pays au-delà des délais impartis, les 24 mois de chronogramme volontairement déclaré en plus des 6 mois de bonus pour passer la main à une nouvelle dynamique de retour à l'ordre constitutionnel dans l'intérêt supérieur de la nation. Elle appelle ainsi les forces politiques, sociales et professionnelles du pays à l'unité d'action dans la responsabilité républicaine pour sauver la patrie. Parce qu'il faut la sauver. Voilà, il faut sauver ce pays-là. Voilà, il y a d'autres documents en ligne, mais on se reprend demain. Et tout en rappelant que Habib Marouane est sous la responsabilité de Kefa, la personne Camara. Donc, ce n'est pas un gendarme qui a enlevé Habib Marouane, c'est monsieur Kefa, la personne Camara, qui a enlevé Habib Marouane. Donc, je vous souhaite une excellente nuit et portez-vous, on se reprend demain. On va laisser les autres informations demain, Inch'Allah. Il y a beaucoup de documents à lire parce que moi, la façon dont je reçois les documents, je les partage avec vous. À vous aussi de regarder, d'analyser pour aider ce pays-là. Voilà. Tiens, Amadou, comment vas-tu, frère? Comment vas-tu? Voilà pourquoi on dit à la fin de conjuguer le même verbe pour sauver la patrie. Vous pensez que c'est un problème de Sélou? C'est un problème d'Alpha Condé? Vous pensez que c'est un problème de Sidia? Vous pensez que c'est un problème de Aliouba? Ou bien un problème de d'Abati Doré? Ou bien un problème d'Abdoulaye Koumane? Non, ce problème-là, le problème qui est devant nous comme ça, là. C'est un problème sérieux, un problème très grave. Le CNRD est un problème. Le CNRD est une situation. Vous ne voulez pas entendre ça. Les gens là, aujourd'hui là, le peu qui les supportent aujourd'hui, ce sont des gens qui ont tout ce que là, un paraministre ou préfet. Sinon, c'est fini. Alpha Barry, comment vas-tu? Je vous le jure. Allez-y, regardez les blogueurs. Ils n'ont plus de blogueurs. C'est-à-dire sur Facebook, elles n'ont plus de blogueurs. Parce que personne ne s'adresse maintenant à les envoyer de l'argent. Parce que qu'est-ce que les ministres disent qu'ils n'ont, ils ne font pas poids devant Benito. Ils ne font pas poids devant Damaro. Ils ne font pas, voilà. Ils ne font pas poids devant Mahmoud Sylla et autres. Mais avant de lire le texte, je vous ai parlé d'un couvre-feu. Le document est là. Et allez-y vérifier. Allez-y vérifier. Selon les informations que j'ai reçues, d'autres blogueurs ont reçu des éléments des forces spéciales. Je dis bien, je mets quiconque à défi. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? À partir du 29, c'est-à-dire le 28, ils vont décréter un couvre-feu de 3 jours. Non, le 29, hein. Bon, j'ai le document dans le téléphone là. Bon,
Voilà, j'ai le document dans le téléphone là. Bon, je veux demain lire le document en question. Mais ce qui est sûr, il y aura 3 jours de couvre-feu. 3 jours. C'est-à-dire la dernière journée, ce sera le 2 janvier. Donc, si je calcule, c'est qu'ils vont lire le communiqué le 29. Donc, le couvre-feu va commencer, je ne sais pas si c'est le 31, le 1er, le 2, ou bien le 30 mai. Laissez-moi vérifier le document et le lire demain pour vous. Voilà. C'est ce que la vérité dit comme ça. Le CNRD est plus qu'un cancer. C'est plus qu'un, il n'a pas menti, hein, c'est plus qu'un cancer. Ce que vous voyez comme ça là, c'est une maladie, c'est un problème, c'est une situation, c'est une urgence. Voilà. Est-ce que tout le monde peut mentir? Est-ce que tout le monde peut mentir? On vous dit de s'associer pour vaincre la maladie. Parce que le cancer là, nous avons un cancer à traiter. Si on peut traiter le cancer, donc debout. OK? Bonne nuit. Frère Abdallah, Bangoura, salam alaykoum, tarafay. On a dit. Donc, bonne nuit, apportez-vous très bien. Puis je salue mes partenaires sur YouTube. Merci. Voilà. Mes partenaires aussi sur YouTube là sont salués dans la.